Zombie apocalypse. I told you to mind your own business, boy! If you miss, you're a dead man, sir. My friends, I would like to thank Lord Mortimer for bringing us all together here. My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. You need to know the truth about your mother. Monsieur de Richet, delighted to welcome you among us, sir. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Nothing will remain of your body. For God's sakes, what happened in here? Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. You know, Louis, I've only just now realized that I've been drawn here into a trap. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Et salut tout le monde, c'est Shirel. On se retrouve sur un nouveau jeu narratif qui va remplacer Tell Me Why en attendant la sortie en septembre 2021 du nouveau Life is Strange True Color. On a fini Tell Me Why, donc je vous avais dit que j'essaierais de trouver un jeu narratif à choix multiples et qui ait un impact dans l'histoire. Donc vous avez pu le voir dans le trailer, on est plus dans un jeu narratif avec un impact dans l'histoire et bien d'autres choses, mais plutôt du genre historique. Voilà, donc The Council, c'est à la fois un jeu narratif à choix multiples, mais aussi un RPG qui est en 5 épisodes. Toutefois, le premier épisode, vous pouvez l'avoir gratuit sur Steam si le jeu vous tente. Vous pouvez toujours télécharger le premier épisode gratuitement. Et après, ben, s'il vous plaît, ben, vous ferez le 2, le 3, le 4 et le 5 épisodes. Donc, il est en 5 épisodes. C'est un jeu narratif unique en son genre, car non seulement vos choix vont impacter sur l'histoire, mais aussi le développement du personnage, comme ses compétences vont provoquer des conséquences indélébiles sur l'histoire, et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, en plus des choix qu'on va faire, non seulement notre perso a des compétences, il en a pas mal, et tout ça mélangé, on va avoir un jeu un petit peu où on a un petit peu la vie, je pense, de ce monsieur, dont je vais vous dire le nom, dans nos mains, ainsi que tout le développement de l'histoire. Donc je pense qu'il est un petit peu plus corsé que les autres jeux narratifs où il y avait juste l'impact des réponses. Là, il y a tout un système de compétences, d'enquêtes et de autres qui vont impacter l'histoire et peut-être nous faire, non pas un game over, mais nous faire finir l'histoire en catastrophe, quoi. Voilà. Donc, dans ce jeu, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut faire confiance à personne et on devra lever le voile sur de sombres vérités malgré les impacts que le jeu va avoir non seulement sur le gameplay, mais aussi sur le corps du personnage, mais aussi sur la santé mentale, l'esprit du personnage. Le jeu se déroule en 1973 et on incarne donc Louis de Richet que vous voyez à l'écran, qui est un membre d'une société secrète. On retrouvera aussi de grands noms de l'histoire de France comme Napoléon Bonaparte, George Washington, etc. On pourra manipuler, orienter et manœuvrer nos interlocuteurs grâce à un système d'influence, découvrir leurs points faibles, leurs points forts pour impacter et pour découvrir la vérité. On pourra choisir parmi les 15, je dis bien 15 compétences que possède notre personnage, toutes étant utiles pour le déroulement correct de l'histoire. Mais attention, nos actions, nos choix affecteront l'histoire définitivement, mais pas que. Ça va aussi impacter directement et affecter directement notre perso, mais aussi les autres personnages du jeu. Donc, assez de blabla, on y go, c'est parti. On va découvrir ça ensemble, hein, parce que je ne me suis pas spoil. J'avais ce jeu et je me suis dit pourquoi pas le test. Et on est parti donc pour l'épisode 1. Thank you.
You're not getting anywhere with this von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. Huh. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair of my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Oh, stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational and open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen! Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Alors, soit on agit comme on a envie, soit on fait confiance à notre mère. Alors, on va avoir des dialogues comme ça où on va devoir interagir, où il n'y a pas un temps limite, où il faut vite cliquer. Donc, faut toujours avoir la main sur la souris. Là, par contre, on a le temps de choisir ce qu'on va faire. Bon, on va faire confiance à notre mère. Please, be my guest, mother. Mmh. Ah. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to von Borchert. Thank you.
Well done, Mother. You just had to pick up Von Bertrand's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer, and now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Episode ends, Mad Ones. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Hall. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Hall, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Alors, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter à bord. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, on nous a dit d'être méfiant de tout le monde. Alors, on va plutôt lui dire raison personnelle. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. I believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Alors, où on lui répond, on va retourner vers la Duchesse. On va esquiver la réponse. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richer, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you all right? It's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah. No one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother! No! Don't! What? Have you lost your mind? There is no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah! Don't! No! No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay for what you've done. You. Louis?
Are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazier? Or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Donc on va inspecter un petit peu autour de nous. Alors, est-ce qu'on peut regarder... non, pas encore. Alors, on va se balader, essayer de trouver des choses. Parce que je crois que on pourra pas revenir en arrière. Une fois qu'on sera rentré dans le manoir, on sera un petit peu foutu pour repartir en arrière. Donc notre mère a disparu. Remonter vers le manoir. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Alors, nous avons le choix de notre classe. C'est ce qui différencie un peu ce jeu des autres jeux narratifs. Il va y avoir des classes, comme je vous ai dit, des talents, etc., qui vont nous permettre... selon ce qu'on va choisir, d'être plus furtif, d'être plus rentre-dedans, enfin. C'est vraiment un plus qu'il y a dans ce jeu narratif, en dehors de tout ce qu'on trouve dans les jeux où le choix a des impacts dans l'histoire. Là, en plus, notre classe et nos talents vont aussi agir dans le gameplay et sur les personnages, comme je vous l'ai dit au départ. Alors, on a trois classes, le diplomate, l'occultiste et le détective. Alors, le diplomate brille en société, orateur de talent, il sait éviter les faux pas et impose ses idées sans froisser ses interlocuteurs. La politique est son domaine de prédilection. Après, on a occultiste. Bon, vous m'avez compris. L'occultiste est maître des faux semblants. Convaincu de l'importance du savoir, il a cumulé de riches connaissances en sciences et en arts. Utiliser les autres pour arriver à ses fins ne lui pose aucun problème. Et le troisième, détective. Le détective excelle en investigation. Il est entraîné à remarquer les moindres détails tant dans l'environnement que chez ses interlocuteurs. Homme de terrain, il n'a pas peur des approches directes. Alors, le diplomate, il ne froisse pas ses interlocuteurs pour arriver à ses fins. L'occultiste, il utilise les autres pour arriver à ses fins sans que ça lui pose aucun problème. Et l'homme de terrain, il n'a pas peur des approches directes. Choix cornélien pour moi, là. Je ne sais pas trop. Alors, l'occultiste, il est bien parce que notre mère fait partie d'une espèce de secte, on va dire, hein, pour généraliser. Et le détective, il est pas mal non plus, parce que vu que notre mère a disparu, on est obligé de mener une enquête. C'est quand même le but du jeu. Donc, soit on prend occultiste et on utilise les autres pour arriver à nos fins sans que ça nous pose aucun problème. Soit on prend le détective qui est un homme de terrain qui n'a pas peur des approches directes. Diplomate, la politique, je le sens pas trop. À prendre... Alors, ça nous donnera les compétences interrogatoire, vigilance, psychologie, agilité, logique. Et l'occultiste, manipulation, occultisme, érudition, science et subterfuge. Allez, on va partir sur détective. Alors, nos compétences. On a trois points disponibles à mettre dans les compétences. Alors, détective débloque les compétences interrogatoires.
vigilance, logique, psychologie et agilité. On a 7 points d'effort pour utiliser nos compétences. Notre passé nous octroie 1 point de compétence en manipulation et 1 point de compétence en psychologie. On va mettre un point dans psychologie. Et qu'est-ce qui nous a débloqué d'autre? La manipulation. Et on a encore un point à mettre. Alors ça, c'est quoi? La vigilance. Vigilance, vigilance, tout à fait. Remarque les détails notables ou les éléments déplacés par rapport à leur contexte. L'interrogatoire analyse efficacement le comportement de l'apparence de nos interlocuteurs. Ça peut être intéressant. La logique, exercez votre esprit logique et vos techniques oratoires. Ou alors l'agilité, utilisez vos coordinations entre l'environnement et plus rarement contre les gens. Alors, il y aurait celui-là, peut-être, arriver à voir les détails. Ou alors, appuyez-vous sur votre connaissance des mythes, symboles occultes et religieux, langues mortes, sociétés secrètes. Profitez d'une solide culture dans le domaine des arts, de la géographie, de l'histoire. Non. Science, soyez au fait des connaissances scientifiques et techniques médicales. Non, je vois pas trop l'intérêt là. Dérober discrètement des objets, forcer certaines serrures et remarquer les falsifications. Je mettrai bien la vigilance. Remarquer des détails notables ou les éléments déplacés par rapport à leur contexte. Ça peut peut-être nous aider pour l'enquête. Ou analyser efficacement le comportement et l'apparence de vos interlocuteurs. Ouais, on va mettre plutôt celui-là. Voilà. On va valider. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Succès débrouillé, like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Alors, soit on la gruge, on dit que oui, on se rappelle d'elle, ou on lui dit pas le moins du monde, désolé. On va prétendre que oui. How could I forget a woman such as yourself? A woman such as me? What a sweet talker you are. Remind me of how we met. Alors, compétences. Vos compétences vous donnent accès à des choix et actions uniques en échange de points d'effort. Les points d'effort, ce sont les petits losanges que vous avez en bas à gauche de l'écran pendant que le dialogue se fait. Et à chaque fois qu'on va utiliser une compétence, ça va nous manger un ou deux points d'effort. Et quand on n'a plus d'effort, ben, le problème, c'est qu'on ne peut plus utiliser nos compétences. Plus le niveau de compétence est élevé, moins le coût en point d'effort est élevé. Retrouvez les compétences dans l'onglet personnages du menu. Ok. Alors, une femme telle que moi, rien que ça, quel flatteur. Rappelez-moi un peu notre rencontre. Ah, on l'a un petit peu... Montre-toi séduisant, fais-lui perdre le fil. Joue la vexation de ne pas être cru. Est-ce que je peux faire ça? Non. Donc je suis obligée de mettre l'endroit probable sur les Paris. Don't you remember? We bumped into each other at Mesmer's show in Paris. That fraudster had even bamboozled the Marquis of Lafayette. You too, apparently, because I've never been to see him. Ouch. Well, that didn't work. Right, time to go to the manor. Ben, c'est raté. Opportunité.
opportunités, vos compétences vous permettent de découvrir des détails cachés. Sélectionnez l'élément le plus cohérent avec la situation pour les découvrir. Les opportunités ne consomment pas de points d'effort. Il suffit d'avoir débloqué la compétence nécessaire à la situation pour y avoir accès. Ok. Alors on a ici et on a. I ask her a question. On avait le collier. She answers with another. Is she playing with me? Donc là, il fallait être très rapide. Il y avait une jauge jaune et c'était vraiment en temps limité. Sinon, le jeu va décider pour vous. Donc, on avait le choix entre... Il y avait un point bleu sur la bouche et sur le collier. J'ai mis sur la bouche. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. On verra bien. Donc, chaque interlocuteur que vous rencontrez sur l'île possède une personnalité propre qui le rend vulnérable à certaines compétences et immunisé à d'autres. Savoir exploiter cette personnalité est crucial pour mener à bien vos projets. Les immunités rencontrées vous desserviront et vous laisseront épuisés, tandis que les vulnérabilités exploitées vous rendront un point fort. Alors, chaque perso, en fait, est immunisé contre un de mes pouvoirs, on va dire. Donc là, on va voir contre qui elle est immunisée, contre quoi plutôt Emily est immunisée. Donc on va, hop. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Riche. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Alors, les talents. Vous obtenez des talents en réalisant certaines actions. Pensez à regarder leurs conditions de déblocage et leurs effets. Ils donnent des améliorations très intéressantes. Deux. Alors, on va regarder au niveau du menu. Donc, on a la map, la carte. On a un inventaire avec les objets qu'on a sur nous. Donc, l'art de connaître les hommes par la physionomie. Une méthode d'analyse des individus à partir de leur apparence, c'est ce qu'on a choisi. On a le mouchoir qu'Emily nous a prêté suite à notre vision quand on avait le nez qui saignait. Et là, on a l'invitation de Monsieur Mortimer sur l'île, où il nous dit « Cher Monsieur de Riche, je me permets de vous écrire afin de vous faire part de l'embarras dans lequel je me trouve. Comme vous devez le savoir, votre mère Sarah de Riche avait été invitée par mes soins à me rejoindre sur mon île voilà plusieurs semaines. Nous avions des projets communs concernant votre ordre. Son séjour se déroulant sans encombre jusqu'à la journée d'hier, où votre mère a subitement disparu. Je ne cherche pas à vous inquiéter outre mesure, mais j'aimerais grandement que vous me rejoigniez au plus vite afin d'élucider ce mystère. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma très haute considération, votre dévoué, Lord William Mortimer, marquis de Westfordshire. » Alors, ensuite, ici en bas, on a des raccourcis. Alors, le premier, ce sera de la gelée royale qu'on va trouver et qui va nous permettre de nous rajouter deux points d'effort. Vous voyez les petits losanges en bas à gauche, ce sont ici, là, ce sont les points d'effort qui nous servent à utiliser nos compétences. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser une de nos compétences, on va utiliser des points d'effort. Quand on n'en aura plus, on ne pourra plus effectivement utiliser nos compétences. En deux, on trouvera sûrement de l'élixir d'or qui guérira les altérations négatives qu'on va avoir. La Croix de Malte dévoile temporairement les immunités vulnérabilités affectant un choix de dialogue. Et la prochaine utilisation de la compétence est gratuite, donc on verra ça. Donc le journal, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 4 x 3, 12, 13, 14 personnages à découvrir. Donc ici on a notre mère. Donc Sarah Faustine de Riche, qui est une riche aristocrate française, mère de Louis de Riche. Il y a 34 ans, Sarah prit la tête de l'une des plus importantes sociétés secrètes, l'Ordre Doré. Femme de caractère, Sarah s'évertua à infiltrer les plus hautes sphères de la société politique, transactions commerciales, secrets d'État ou domaines paranormaux. L'Ordre gardait un œil sur tout. L'un des grands axes de croissance que Sarah donna à l'ordre fut le développement de ses branches américaines, européennes et centrafricaines, sans oublier l'expansion de sa section occulte dont elle s'occupa personnellement. Sarah prépare son fils Louis, depuis son plus jeune âge, à pouvoir prendre sa suite et à devenir le futur visage de l'ordre doré. Alors, on n'a pas pris le système de l'occultisme de la secte, nous on a pris détective, j'espère qu'on a fait le bon choix. On verra au fur et à mesure des épisodes.
Donc ensuite, on a découvert la duchesse Emily Hillsborough. Alors, elle est, par contre, on voit là qu'elle est immunisée contre la logique. Donc, toute action logique que je ferai sur elle n'aura aucun impact, voire même des problèmes pour moi si je venais à l'utiliser. Alors, Emily Hillsborough, duchesse anglaise proche de la couronne d'Angleterre. Très discrète sur ses origines, Emily n'a paru sur la scène politique anglaise qu'après son mariage, que certains qualifièrent de mariage d'intérêt avec un vieil aristocrate anglais sur le déclin. Libertaire, moderne mais discrète, elle prit sur elle de tisser rapidement des liens avec ses pairs. En quelques années, elle devient la diplomate préférée de la reine, ce qui motiva probablement son premier ministre William Pitt à la prendre comme conseillère particulière, provoquant ainsi beaucoup de suspicion et de jalousie. Habituée des lieux, Emily répond à l'invitation de Sir Gregory Holm pour rejoindre l'île de Mortimer, car rien ne lui ferait manquer l'une de ses fameuses réceptions. Il est très important de connaître dans ce jeu les persos, de façon à ne pas utiliser effectivement nos compétences sur des personnages qui sont immunisés contre, par exemple. Donc, il y a une deuxième chose à découvrir. On peut le voir en haut, là, sous le nom, ici. Bah, si j'enlève, on le voit plus. Sous immunité, comme quoi elle est immunisée à la logique, il y a écrit à découvrir. On va avoir autre chose à découvrir sur Madame Hillsborough, la duchesse. Ensuite, donc nous, de Richer, Louis, donc on est français, c'est pour ça que quand il prononce, c'est très French. Louis Mouras de Richer, jeune aristocrate parisien, fils unique de Sarah de Richer, depuis sa plus tendre enfance, lui a gravité autour de sa mère. À ses 14 ans, il intégra en toute logique l'Ordre Doré, la société secrète dirigée par Sarah. Précoce, lui progressa rapidement en son sein, et ce malgré les traitements quotidiens que sa mère lui prodiguait contre ses migraines chroniques. Il gravit les échelons jusqu'à pouvoir assister Sarah de Richer sur les affaires occultes pour lesquelles il était particulièrement doué. Au fil du temps, il fut façonné à l'image que sa mère voulait de lui, le prédestinant à prendre un jour la tête de l'ordre. Il répond pour la première fois à une invitation de Lord Mortimer. Ok. Et ensuite, on a découvert Piaggi Giuseppe. Bon, lui, par contre, on n'a pas découvert du tout, mais du tout, la faille qu'il a, quoi. On ne sait pas. Son éminence, le cardinal Giuseppe Cesare Piaggi, légat du pape Pie VI. Orateur émérite, Giuseppe Piaggi œuvra toute sa carrière pour servir au mieux les principes de l'Église catholique romaine. Homme de science, philosophe à ses heures, il bénéficia rapidement de l'écoute du pape, qui le nomma en toute discrétion cardinal in pectore. Cette relation de confiance lui permit d'aider Pie VI dans sa lourde tâche de guide de croyants avec constance et dévouement. Invité par Sir Gregory Holm, Piaggi se délecte de retrouver son vieil ami Mortimer afin de représenter les intérêts du Saint-Siège. Ok, donc lui, il va falloir qu'on découvre les points qui vont nous bloquer. Et tous les petits points qu'on a autour, là, c'est encore des personnages à découvrir. Donc ensuite, on a la carte personnage. Donc là, on a choisi donc détective, on est niveau 1. Pour atteindre le niveau 2, il va falloir qu'on ait 1750 XP. Et donc, les points, où c'est qu'on les met petit à petit quand on va débloquer les choses. Alors, on pourra très bien prendre l'occultisme après, hein, débloquer aussi les autres compétences, mais ça va être un petit peu plus long, voilà, que la première. Au niveau des talents, alors, les talents, on va pouvoir en débloquer petit à petit. Pour l'instant, on a la maîtrise policière. Divise par deux les faux éléments apparaissant à l'écran lors de chaque opportunité. Obtient des compétences de vigilance au niveau 3, interrogatoire psychologique au niveau 2. Donc ça, ce sont les talents que l'on a par rapport au fait qu'on ait choisi le métier de détective. Si vous prenez l'occultisme ou la politique, vous aurez effectivement d'autres talents que ceux que j'ai moi. Voilà. Et c'est là tout le bien de ce jeu. Parce que, comme d'habitude, hein, comme tous les jeux à choix multiples, en plus d'avoir d'autres dialogues, une autre histoire, parce que vraiment tout change de A à Z dans ce jeu, selon si vous choisissez quelle compétence vous allez choisir. Donc, honnêtement, c'est un jeu qui vaut le coup. Au niveau graphisme, je ne suis pas déçu, bien qu'au niveau des Français, la mère et le fils, ils leur ont fait des nez pas possible, mais bon, la duchesse est beaucoup plus jolie. Mais je trouve le jeu assez prenant, assez glauque. Ça nous met vraiment dans une ambiance très particulière. Et il est vraiment, pour l'instant, très prenant. Et au niveau des traits, donc on a
on est charismatique, donc on l'a toujours été d'après ce qu'ils disent. On est confiant, puisqu'on a fait confiance à notre mère au départ. Soit on agissait tout seul, soit on lui faisait confiance. Mais pourquoi ne pas faire confiance à notre mère? Je vois pas l'intérêt qu'elle nous trahisse, mais je peux me tromper. Et détective, donc, c'est ce qu'on a choisi de, comme compétence. Ok. Donc, alors, il y a des petits objets, vous voyez, des petits ronds bleus qui se mettent à l'écran. Alors, comment vous allez dire, mais attends, tu découvres le jeu, mais tu sais déjà ça. Oui, parce que j'ai débuté un petit peu une partie en mettant un autre métier, j'avais mis la politique. Donc, j'ai joué 5-10 minutes juste pour voir. Et je me suis aperçu qu'il y avait des petits points bleus comme ça. Et il faut fouiller un petit peu partout avant de monter au château. Alors, de la gelée royale. Donc, ça nous restaure 2 points d'effort. Et on ne peut pas emporter plus de 5. Donc, on va valider. Voilà. On va regarder dans le menu. Je ne sais pas. Voilà. Ça se met automatiquement ici. Et quand on aura, vous voyez, les losanges ici qui vont diminuer, ça nous rajoutera 2 points d'effort pour pouvoir continuer à tout simplement utiliser nos compétences. Hop. Donc on va se balader un peu avant de monter dans le manoir parce que je pense qu'après on est bloqué. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. À droite, c'est la petite sauvegarde, hein. Donc, on fait le tour avant de monter. Parce que je pense, sincèrement, bon, j'ai pas test, hein, mais je vous dis, j'ai testé 5-10 minutes avec une autre compétence. Et la gelée royale. Ok, ça peut nous aider tout ça. Et j'ai pas test si on pouvait ressortir du manoir une fois rentré. Donc, on va faire le tour comme j'ai fait tout à l'heure. Je crois qu'il peut courir. Voilà, avec la molette de la souris, en fait, vous pouvez courir. Faut essayer de localiser les petits points bleus et pas passer à côté. Donc ici, il semblerait qu'il n'y ait rien. Alors, dans le test que j'ai fait de 10 minutes, un quart d'heure avec le métier, avec la compétence politique, je n'avais pas les mêmes points bleus. Hein. Donc, vraiment, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir 3 jeux en fait, 3 jeux en un, selon la compétence que vous cherchez, que vous avez choisi, je veux dire. Donc on va regarder à droite, là il y a un chemin. Good evening, sir. May I ask your name? J'ai pas pu y aller. Louis Maurras de Richet. Monsieur de Richet, delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Alors, sachez que nous faisons tout pour retrouver votre mère au plus vite. On va lui demander ce qu'il sait de notre mère. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island. And regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we are searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean?
we seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll in the war for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Alors, laissez-moi le mouchoir, je m'en charge. Vous allez me remettre... J'ai pas le choix, je pense. On va utiliser... Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but invited by your master. No, of course, but because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Alors, au niveau des personnages, on a donc découvert... hop, alors attendez. Hop, inventaire. Donc on a bien le mouchoir de notre mère. Le serviteur. Alors... Il est vulnérable, par contre, lui, à la logique. Il est vulnérable aux interrogatoires et il nous reste encore un trait à découvrir. Alors, le serviteur au service de Lord Mortimer, ils portent tous un masque. Si les invités spéculent les explications les plus folles, nul ne connaît la raison exacte du pourquoi ils portent des masques. C'est vrai que c'est assez bizarre, cette affaire-là. Bon. Je pense pas qu'on ait découvert autre chose. Alors, on va farfouiller. J'étais partie pour aller ici. J'ai vu qu'il y avait un chemin. Alors, on nous a dit que notre mère était venue sur les quais, Les employés l'auraient vu traîner sur les quais, des lumières, etc. Des barils cassés, des traces, etc. Plus le mouchoir, donc on va essayer de regarder sur les quais. Wooden floorboard. Une planche de bois. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. Yet it was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. Yet it was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Alors, tout est important dans ce jeu. Tout est important. On rate le coche, c'est foutu. On va essayer d'ouvrir la grille. Locked. I'll never get it open barehanded. On peut crocheter, non, on n'a pas le... s'éloigner. Est-ce qu'on trouverait quelque chose au niveau du ponton? On ne peut pas prendre la planche, je pense pas que ça va faire quelque chose. A wooden floorboard. Non. Au niveau de la planche, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir ouvrir cette serrure. Ah, s'il y a quelque chose. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Vous voyez, je perds
des petits losanges à gauche. Hein. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Alors, les manuscrits permettent de s'instruire au cours de l'aventure. À chaque début de quête, vous pourrez choisir vos lectures et gagner ainsi des points de compétences permanents en lisant les bouquins. Donc, on peut gagner des points de compétences. On va voir. Let's look inside the bag. A little food, a few toiletries, a small key and some kind of black powder. Alors, un peu de nourriture, quelques affaires de toilette, une petite clé et une sorte de poudre noire. On va examiner la poudre noire. The bottom of the bag is covered in black powder. On va examiner. Shit, those are definitely my mother's things. I recognize her hairpins. This bag smells of her perfume. A piece of soap, some oils and her powder puff. What does all this mean? Some fruit, a piece of bacon, and some bread. The fruit's still firm. Bread's a bit stale. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. An iron key completely rusted. On va prendre la clé. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't counting on it. Et on va prendre le sac. Right. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her. I'm crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of nowhere, Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Regardez au niveau des talents. Est-ce qu'on peut psychologie, lisez le comportement des gens comme un livre ouvert. Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque part un point? Marquer des détails notables aux éléments déplacés par rapport à leur contexte, non? La logique. Non, je peux pas rajouter de points. Et là, si je veux... non, je peux pas. Ok, donc si je regarde mon inventaire, ici j'ai un livre. Mais je peux pas le lire. Donc, pas pour l'instant du moins. On va essayer de voir si la clé ouvre ce côté du quai. Utiliser la clé. Here we are. Alors c'est pas un jeu où il faut aller super vite, hein. Faut vraiment tout analyser, tout regarder. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Ce quai sert de stock pour de nombreux barils. On va examiner le baril fracturé. What have we here? It's cannon powder. Dans le sens où on n'a pas débloqué la science, on peut rien faire, donc on va s'éloigner. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. On a d'autres points bleus derrière. Hein. La jolie royale. Ok. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear Mother, and quickly too. Ma petite sauvegarde. Donc il faut qu'on cherche plus d'indices ou remonter vers le manoir. Bon, on va chercher un petit peu plus d'indices.
pas l'impression qu'il y ait autre chose ici. Les petits points bleus, faut pas les rater. Hein. Si. J'ai les royales. Hein. Donc on appuie sur 1 pour s'en remettre. Mais c'est pas le 1 du pavé numérique, c'est le 1 de l'autre côté. Voilà. On se rajoute 2 petits losanges de façon à pouvoir. Si. Pièces de collection. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Le sac, le mouchoir de la mère, le mouchoir de la baronne, l'invitation et c'est tout. Bon. En tout cas, il est très très prenant parce qu'on ne doit rien et rien laisser de côté. Il faut vraiment faire le tour, prendre son temps. Là, vous voyez là, les sacs, je les avais pas vus. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Ah, le baril là non plus. Et tout ça, ça peut être des choses qui. The barrel's been broken for quite some time. Si on les voit pas, ça peut nous mettre dans la panade pour, tout le reste de l'aventure, quoi, en fait. Donc il faut vraiment prendre son temps, c'est pas un jeu à rusher. On refait un dernier tour, puis après on se dirigera vers le manoir. Là, ici, la corde. Some rope. Apparently no one's touched for a good long time. Vous voyez, tout à l'heure ici, c'était pas disponible, il n'y avait pas d'interaction possible. Maintenant, j'en ai une. Let's see what's hidden inside. Alors, voyons voir, chercher un indice. Ah. Ça m'a enlevé 3 points. Hein. The seal of the order, and I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly. Sarah Faustine de Richet. What is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy, Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Alors, pourquoi ce nom me dit quelque chose? Alors, comme on n'a pas la politique qui est disponible, on ne sait pas. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But, just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of the wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that were enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested that she's having a fabulous time. So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I ought to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least I hope so. Ok, donc en haut ça se valide. On a cherché tous les indices qu'il y avait à trouver. Maintenant, on doit remonter vers le manoir. Et on n'a plus que 3 losanges pour pouvoir utiliser nos compétences.
On a un petit peu de poudre qui nous remet des losanges, mais bon. A Latin inscription. En nesis, mi fili quantile produncia mundus vergatur. Alors, on ne peut pas le lire en latin, puisqu'on n'a pas la linguistique disponible. On ne peut pas se baser sur notre latin de locutisme, puisqu'on n'a pas, donc on part. J'aurais dû prendre occultisme. Alors, on monte les escaliers. J'aurais dû prendre l'occultisme. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Lisez les lettres adressées aux autres invités pour en apprendre un petit peu plus. Wow. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sada Derice, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope, but I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Persuadez Pierre de vous confier la lettre. I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Alors, il y a un système aussi de confrontation. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai trois maladresses autorisées, sinon je rate la confrontation. Donc, durant une confrontation, vous devez franchir des étapes en vous montrant le plus convaincant possible. Là, le but, c'est marqué en haut à droite, il faut qu'on le persuade de nous confier la lettre de notre mère. Vous devez franchir les étapes en vous montrant le plus convaincant possible. Les confrontations ont des conséquences sur la suite de l'histoire. N'hésitez donc pas à utiliser vos compétences. Chaque confrontation affiche une interface indiquant à quel point votre interlocuteur est convaincu ou pas. Allez, on va tenter. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Alors, oui, elle est déjà là depuis une semaine, ou peu importe, donnez-moi la lettre. On va pas y aller trop brutalement. On va lui dire oui, elle est là depuis une semaine. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Alors, l'étape 2. Alors, vous disiez que vous travaillez ensemble. Que faites-vous exactement? Nous faisons partie de l'ordre privé, ou secret professionnel, désolé. If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. On a réussi la deuxième étape. You are the worthy son of Sarah. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look,
If it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? En étape 3, vous pensez que je devrais vous la remettre? Oh là, j'ai un temps limite. On n'en a pas le choix. On va mettre... Oui, je lui donnerai dès que je la trouve. You have nothing to fear. I will give your letter to my mother the moment I find her. Je vais utiliser ma compétence pour éviter de manger les losanges. You, you mean Sarah has gone missing? Oh merde, je crois que j'ai répondu à côté. I shouldn't have said that. Ah, raté. Let's not exaggerate, Your Eminence. I have no other information at this time. It's probably nothing. Listen to me. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Confrontation dernière étape. Pour la dernière étape d'une confrontation, vous devez convaincre votre interlocuteur avec une réponse positive. Si vous donnez une mauvaise réponse, cette étape se répétera jusqu'à ce que vous en donniez une bonne ou que vous soyez à court de maladresse. Okay. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret. On a débloqué le très fiable. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her. That time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Alors, les éléments cachés, de nombreux objets et indices sont cachés. Certains d'entre eux peuvent avoir un impact sur le déroulement du jeu, donc n'hésitez pas à explorer. C'est ce qu'on a fait sur les quais. Alors, je voudrais regarder parce qu'on a eu des choses qui ont été ajoutées. Alors, au niveau des talents. Donc, on est fiable. On a gagné un point de compétence à manipulation. Au niveau de l'inventaire, lettre de Piaggi. Une lettre cachetée confiée par Monseigneur Piaggi à l'attention de Sarah Richer dans sa chambre. Donc, personnage. Les traits, on les a vus. Talent. Vous rend maintenant. Réussir une opportunité vous rend maintenant un point d'effort. Ok. Personnage, on a vu. Est-ce qu'on pourrait mettre des points? Ça a l'air, je crois. Hein. Je sais pas. On va tester. Remarquez les détails notables aux éléments déplacés par rapport à leur contexte. Exercez votre esprit logique et vos techniques oratoires. Agilité. Manipulation, amener les gens à agir dans votre propre intérêt. Non, j'ai pas de points. Je ne peux donc rien faire. Et au niveau de journal, on n'a rien de plus. Ok. On va un petit peu regarder autour de nous et on en restera là pour l'épisode 1. La découverte, la présentation. Alors ici, vous voyez, on a un petit point bleu. Il faut vraiment, vous voyez, être attentif. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Ok. Donc Saturne dévorant un de ses enfants. C'est original.
Les graphismes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve très beaux, très bien faits. Le marbre a un très beau relief. Enfin, vraiment, on a l'impression d'y être. Hein. C'est vraiment très sympa. On va regarder s'il y a autre chose. Les points bleus sont vraiment tout petits pour nous casser les pieds. Crucifixion of Saint Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Une crucifixion à l'entrée. Ça peut paraître bizarre, oui, comme il dit, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Vous voyez, j'ai presque plus de losanges en bas pour pouvoir utiliser mes compétences. Et comme j'ai trouvé quelques petits pouvoirs là qui me redonnent des points, je voudrais pas tous les utiliser. Non, ici. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Okay, ici. Alors, vous voyez, j'ai bien fait de fouiller avant parce qu'une fois rentré dans le manoir, je peux pas en ressortir. Alors. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Oedipe aveugle. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. C'est assez spécial quand même, hein, la décoration des tableaux, mais très typique de l'époque. Alors ici, on a quelque chose. Croix de Malte. La croix de Malte octroie l'effet exalté. Vous percevez temporairement les immunités vulnérabilités affectant les choix des dialogues lors des conversations. Vous ne pouvez pas emporter plus de 5. Hein. Ok. Devil's Thorn. Ah, peut-être, vu qu'on va devoir. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Ici. Ah oui, on ne peut pas y aller. Est-ce que là, je peux monter? Non. Maybe I should introduce myself to the other guests first. Je dois présenter aux autres invités. Ce serait peut-être pas mal de boire la potion là. De façon à avoir tous les traits. 119. Allez. Ah oui, mais on a une minute très très nette. J'aurais dû l'attendre un petit peu. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. On va le prendre. On va vite aller se présenter, si je peux. Dommage. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? On doit se méfier de tout le monde. Je crois que j'ai utilisé la potion pour rien. De ma mère. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us.
Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing, I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Two members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Good Lord! Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends! Holy shit! That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holme, an English aristocrat. Very influential. He's also close to Lord Mortimer. So don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holme, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Soit on reste et on écoute Washington, soit on va découvrir le lien entre Holm et ma mère. Je choisirais bien... On va écouter Washington. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I knew your mother well. Don't worry, Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Alors, dites-moi en plus sur ce Mortimer, d'où Emily connaît-elle ma mère? Bon, on va dire, dites-moi en plus. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit.
Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Alors, comment l'a-t-il connu? Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois? Comment l'a-t-il connu? Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Quand vous voyez-vous, de quoi parliez-vous? On n'a pas la politique de débloquer, donc on peut pas. Alors, ou alors de l'ordre doré, peut-être? Ou d'affaires occultes, on va mettre de l'ordre doré. When she came to the US, did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discreet powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. On va demander si le reste de l'ordre est... Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. On nous a dit qu'il fallait se méfier de tout le monde. Hein. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Washington looks surprised, but Holm doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Il y a une opportunité que j'ai ratée. C'est allé beaucoup trop vite. Je l'ai pas vu, donc. Thank you.
Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Ok, ben on va en rester là pour cette partie 1 de l'épisode 1. En tout cas, le système est assez bien foutu, je trouve. Faut pas rater les opportunités, il y a tous les petits indices à découvrir, etc., etc. Je le trouve très prometteur, on verra, on va le tester un petit peu. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si c'est le genre de jeu qui vous intéresse aussi. En tout cas, vu qu'on a fini Tell Me Why, comme je vous l'ai dit, en attendant Life is Strange qui sort qu'en septembre, Life is Strange True Color, il fallait que je comble avec un narratif. Donc j'ai décidé de tester ce jeu avec vous, de voir ce qu'il vaut. On va voir sur plusieurs épisodes ce que ça donne. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, il me prend bien parce que... Voilà, il met vraiment dans un avenir assez glauque. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que répondre à une question qui change l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour l'histoire, pour les personnages, etc., etc. Donc, on verra la suite dans le prochain épisode. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. J'attends vos retours en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch. Bye bye.